Alors, Chrismar, à l'entrée, j'ai vu une star. Dans ta prestation, j'ai continué à voir une star. Le public nous a démontré ça à la fin. Mais j'ai deux problèmes avec toi. J'ai un problème qui se répète. Et quand un seul problème, quand te reproche, se répète, ça devient un défaut. Bon, c'est quelque chose que je ne vais pas digérer jusqu'à la fin de la compétition parce que j'ai l'impression que tu ne veux pas changer ça. J'ai un problème avec toi au niveau des notes graves. Tu n'arrives pas à gérer les notes graves. Dès que tu es en grave, tu perds la note. Dès que tu chantes et que tu pars en grave, tu perds la note. Ça, c'est mon problème numéro un. Et il commence à vraiment me déranger par rapport à toi. Alors, le problème numéro 2, c'est la discipline. Tu as bien chanté. J'ai aimé. C'est vrai que tu as un peu exagéré avec tes techniques. Tu n'aurais peut-être pas dû, parce que ce n'est pas important. Bien chanter, ce n'est pas faire beaucoup, beaucoup de techniques, beaucoup de balades. Ce n'est pas ça qui fait de toi une grande chanteuse. Chante avec le cœur. Transmets-nous quelque chose. C'est ça qui est important. Et tu arrives déjà à le faire. Mais juste avec tes graves, moi, tu ne me mets pas à l'aise. Et cette discipline-là qui t'a manqué, tu as vu que tu as chanté plus longtemps que tout le monde. C'est pas loyal. C'est pas respectueux. Et ça, je pense que ça t'en... Tu vas perdre des points pour ça.
Tu n'es pas censé aller au-delà des lois de la compétition. Il y a des règles dans une compétition. Tu n'es pas à l'église. Même à l'église, il y a un moment où le pasteur, il arrête. Mais toi, tu chantes. Déjà, ton timing, tu le doubles, tu le triples. Est-ce que tu te rends compte de comment est-ce que ça se passe? Parce que dans une compétition, il y a tout un processus d'activité, il y a beaucoup de choses à faire. Tu ne peux pas venir chanter autant que tu veux. Non, tu chantes bien, mais par rapport au timing qu'on te donne. Donc là, ta prestation, aussi belle qu'elle peut être, on ne la validera pas. Perso, je ne la valide pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de répéter le même défaut que je te corrige depuis le début. Et deux, parce que tu n'as pas été disciplinée et respectueuse. Tu n'as pas respecté les règles. Et ça fait de toi une mauvaise artiste. Et c'est dommage que ça se passe aujourd'hui. J'espère que tu changeras ça et que prochainement tu feras mieux. Au revoir. Marre. En tout cas, pour moi, de la sélection jusqu'ici, tu as fait des pas. Tu as vraiment fait des pas parce que pour toi qui courais derrière le lyrics, pour toi qui courais derrière les paroles, tu t'es quand même concentré sur une chanson tranquille et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Sauf que, comme d'habitude, comme toujours, il y a le stress qui se fait bien ressentir. Tout le monde stresse, hein. Tout le monde stresse, même les grands artistes avant de monter sur le podium, ils stressent, mais il faut juste apprendre à gérer le stress, apprendre à ne pas montrer le stress. Mais en tout cas, félicitations, c'était une belle prestation. Je sors d'une cascade, mais là, quand même, j'ai eu quelque chose qui m'a bercé. Donc, bravo à toi. J'espère que ça va aller.